Donc, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une courte vidéo. Je pensais à faire ce genre de vidéo tout simplement parce que c'est du cours, puis vous allez toujours rester à l'affût de ce qui se passe. Dans le fond, je vais vous présenter deux trucs. Donc il y en a un que je vous ai déjà montré et l'autre, c'est pour moi une découverte. Puis je trouve qu'il est vraiment, vraiment efficace et ça fonctionne bien. Donc vous allez voir le titre de la vidéo, c'est sûr et certain que vous allez comprendre, mais je vais vous les représenter. Celui-ci, je le représente. Dans le fond, c'est Christian Breton Paris. Dans le fond, c'était un truc qui permet de... Un truc. C'est un mascara blanc, on va dire ça comme ça, mais qui permet en fait de favoriser la croissance, donc la pousse de vos cils. Je l'avais trouvé au Winners au coût de 15 à 20 $ si je ne me trompe pas. Et j'aimais vraiment le fait que ça permet en fait... Oui, de favoriser la croissance, mais ça permet aussi de faire en sorte que nos cils, quand ils poussent, ça ne pousse pas droit comme ça, mais ça pousse vers le haut. Et tout était uniforme, c'était super beau et tout. Et moi, c'est ce que j'aimais vraiment, vraiment, vraiment dans celui-ci. Mais j'ai fait la découverte. Désolée, j'ai pas mis mon gloss. Je m'en vais travailler bientôt. Donc, j'ai fait la découverte d'un autre produit que j'ai trouvé Winners. Vous savez, ceux qui me suivent, j'ai commencé à acheter beaucoup de petites choses au Winners. Je trouve que c'est une façon très simple d'économiser et vous pouvez le trouver à la pharmacie aussi. Donc c'est aussi vraiment un sérum qui permet de booster vraiment la croissance, le poil de vos cils. Celui-ci, c'est de Maybelline New York. Donc, c'est Lash Sensational Boosting Serum. Donc, ils disent que c'est un sérum amplificateur. Et effectivement, c'est bien décrit. Ça permet vraiment d'amplifier. Je vois vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de petits poils, en fait, de petits cils qui commencent à pousser. J'adore celui-ci. Il est très simple. Comparativement à celui-ci, celui-là, il est un peu plus petit. La quantité, je ne l'ai pas vraiment, mais je vais le mettre en dessous. Et l'embout est très différent dans le fond. Le bâton est un peu comme une, pas une mousse, mais un petit peu. Et dans le fond, il est transparent. Il se porte super bien. Et sérieusement, aucune odeur. J'ai réellement vu une augmentation de mes cils. C'est vraiment fou. Oh, j'ai la quantité. C'est un 5.3 ml, alors que celui-ci, il a un peu plus de ml. Celui-ci, je pense que c'est écrit 5 grammes. Je suis pas trop sûre parce que là, j'entends le par les écritures. Mais dans le fond, il n'y a pas beaucoup de produits. Il n'y a pas beaucoup de produits dedans, mais vous n'avez pas besoin de mettre une grande quantité. Ça fonctionne super bien. Et qu'est-ce que j'ai aimé de ce sérum-là? C'est que j'ai vraiment vu l'augmentation de mes poils de sourcils. Comme je vous ai sourcils et cils, parce que je fais un peu les deux là, même si ça dit c'est pour cils, je mets sur mes sourcils également. Mais mes sourcils et mes cils poussent tout crush. Comparativement à celui-ci. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, c'est que j'alterne un peu des deux parce que je trouve que lui fait en sorte que les cils poussent plus vite, cils, sourcils. Utilisez pour les deux, ça fonctionne. Donc, si c'est ce que vous cherchez, je vous conseille quand même d'aller voir ce produit-là qui se retrouve à grande surface. Mais celui-ci, je l'adore aussi parce que ça fait en sorte que tout pousse vers le haut. C'est super beau, c'est super uniforme. Donc, c'est pour ça que j'aime quand même ce produit-là. Je ne veux pas dire que c'est un flop. Donc, j'alterne entre les deux, puis je suis super contente, puis ça fonctionne super bien. Là, j'ai l'impression de, comme, avoir des cils, alors que normalement, j'ai vraiment, vraiment pâti dans la vie. Je suis quelqu'un qui a pas tant de poils de cils sourcils, mais vraiment, j'ai remarqué vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de vous partager. N'oubliez pas, je vais mettre le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse, pour les deux produits. Donc là, vous allez pu voir un peu le profil de chacun des deux. Il y en a un qui favorise la croissance rapide, mais pas vraiment uniforme. Alors que l'autre, la croissance est là, elle prend un peu plus de temps que l'autre, mais tout pousse vraiment d'une seule et belle direction. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette courte et petite vidéo. Il va en avoir d'autres pour qu'on puisse le temps... qu'on puisse avoir le temps en fait de s'amuser et de partager tout ce qui est make-up, amusement, etc. Parce que vous savez, c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose que j'adore faire, vous partager le plus d'informations. Donc sur ce, on se voit très bientôt. N'oubliez pas de garder le sourire, d'essayer de passer du temps avec ceux que vous aimez. Là enfin, on commence à avoir un peu plus de chaleur au Québec, alors il va y avoir probablement d'autres vidéos qui vont s'en venir par rapport à ça. Donc, bye.